Salut à tous et à toutes, bienvenue pour un nouvel épisode de Papy Corse 4 sur Survival. Il est 19h50, nous sommes le samedi 29 février 2020. Dernier jour février, tiens. Demain au mois de mars, hein. Ouais, ça va, tranquille, merci. Je viens juste de m'y mettre, là, voilà. Je suis entré de sortie, là. Je viens juste d'arriver. J'ai pris mon médoc. J'ai pas pris mon personnage Gaston par contre. Parce que là, j'ai un objectif assez précis, c'est de péter le reste de la maison raid à Paco et Tino qui m'ont pété ma wyvern hier. J'étais fou. Donc voilà. On va faire du C4 et on va péter ça. Sinon ça va. Bien bien. Ah qu'on faut que je répare ça, non. Bien, bah super alors, nickel. Tu tires la langue là, t'as mis un petit logo, tu tires la langue, là t'as pris un médoc aussi, non? Non, pas quand même, hein. T'as une ordonnance aussi de ton médecin, peut-être, non? Là, je vais reposer le bazook là, j'ai envoyé 19 pruneaux hier. Mon Gaston il est là, je le sors pas lui. Va se reposer lui. On va remettre ça en ordre. Purée, il y a des ralentissements là. Là, c'est pas tout. Elle va pas tarder à arriver. Les armes. Ok, ça marche. Une flèche. Ça vire. On va essayer de réparer le. Je sais pas ce qu'il faut pour le C4. Il y a tellement longtemps que j'en ai fait. Alors, les aigles, ils sont là. Là. Quand ils m'attaquent. Les wyverns, je les sors plus, il faut du lait. Donc, ils vont mourir sinon. Ils sont entre 75 et 80%. Il me faut du lait. Petite porteuse, on va la sortir aussi. Voilà. Tiens. On va peut-être sortir un petit aussi. Patou attaque. Patte Sissi. Donc ça, je vous laisse. Peut-être sortir un ptio. Papiote, non, c'est pas les petits ça. Normalement c'est les petits ça, c'est pommier. Femelle rapide, oh qu'est-ce qui s'est passé encore. Baby. Juvénile, allez on va sortir celui-ci. Voilà, bien. Pourquoi j'ai pas déposé mes armes? Ouais, minimum. Hein. Faut aller sur Scorch aussi pour déposer toutes les balles de tourelle là, puis avoir se faire l'alpha. Ah oui, Vern Alpha, ouais. Alors le C4, je sais même pas si je l'ai débloqué. Non, je ne l'ai même pas débloqué le C4. On a un détonateur, hein, de toute façon. Alors, C4. Voilà. Wow, faut tout ça. Pour fibre, cristal, ciment. Ouh, des. Bon, enfin, on a de tout, hein, normalement. Allez, on va faire du C4. On va péter la goule là-bas, là. Alors on avait dit ciment, machin, truc. La chitine, non, évidemment. Avec de la chitine là-dedans, de la peau. Donc il faut de la peau. Je sais pas s'il faut de la poudre, il me semble qu'il faut de la poudre aussi. Ouais. Oui, non, mais t'inquiète, je m'en occupe, hein, tu laisses faire mon C4. Ah bon? Ah. Est-ce que je peux le réparer? Ça m'étonnerait. Il manquait des lingots, évidemment. 70 lingots. Waouh, vache. Ah, j'ai même plus d'épée, moi. Faut que je refasse une mythique.
Je vais en prendre une. Celle-là, je peux la réparer même pas. Cristal, il faut du cristal. Cristal, il est là, je crois. Cristal, qu'est-ce qui manque encore? C'est 4. Polymère électronique, allez hop. Polymère électronique. Polymère. Est-ce qu'on en a du polymère? Hein? Super, on a pas. Pas de polymère. Faudra un essence. Ça, je vais le prendre aussi. Ah, c'est dans l'atelier, ça. Polymère, j'en ai 4 seulement. Super. Bah si, non, non, ça je vais le prendre, c'est dans le coffre. C'est dans le coffre-fort, donc je prends. Allez, on va prendre ça aussi. Dans quoi? Ah bon? Alors, électronique, il faut que je mette de l'électronique. Ça, on en a normalement, oui. Par contre, polymère, ça court pas les coffres. Ah mais non, purée, je l'allumais. Est-ce qu'il y en aurait quatre parts à ton avis du polymère? Est-ce que l'organique ça marche aussi pour le C4? J'en ai pas. Allons chercher. Oh purée. Fou ça. Bon, bah, j'y vais. Oh, merci. Toi, tu m'as frappé. Gourde, est-ce qu'il y en a des gourdes? C'est quoi ça, le truc vert? J'aime verte. Ouais. Bon, je vais chercher l'obsidienne. On n'a pas. Donc porteuse. Est-ce qu'elle est vide elle? Hop, 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 hop. Laisse tomber. Salut Axandre. Pas de Genesis? Non, non, moi ça m'attire pas plus que ça, Genesis. Ça fait un petit peu, on y retournera qu'on aura envie, quoi. Porteuse. T'as pas un aigle porteur, toi? Ah, chez toi? Je peux le prendre? Il y a des œufs fécondés là, comment que ça se fait ça? Les mochops? Comment que ça se fait qu'il y a des œufs fécondés? Des œufs de mochop rapidement? Boîte de chocolat. Moi j'ai mis dans le frigo là les œufs fécondés. Je sais pas. Ah, il manquerait plus que ça de faire des petits mochops.
Là. Bon, je cherchais ton aigle. Il est vide, ton porteur? Ouais. Ils sont remplis? Moi, je le mien, il est rempli de balles de tourelle. Ah, c'est celui-là qu'on a ramené les balles de je sais pas quoi, Etino, d'accord, ok, hier. Ah, d'accord, je comprends mieux, ouais. Bon. Bon, par où on rentre chez toi, là? Ouais. Ta porte, elle est là. Patou 195, c'est ça, non? Il est vide, hein? Et il y a des trucs à lui mettre, là, je lui mets en poids, non? Ouais. Le poids. D'accord. Bon, je vais au volcan, moi, chercher l'obsidienne parce qu'on n'a pas de polymère. C'est dingue, ça. Vous savez qu'on peut en faire vite fait du polymère, aberration, non? De quoi? Bah oui. T'en as combien? 9. Tu mets ça dans le centre d'usinage. Ah, vivement la wiverne, là, purée, je vais te péter une wiverne, wiverne. Regardez en même temps s'il n'y a pas de spino. Ah, ta wyverne va comment? Bah, elle est à 80%, accent, et il me faut du lait maintenant. Il n'y a plus les ventes, donc. Voilà, et ma niveau 10, je l'ai paumé hier. Par des plantix. Sur une maison raide de Paco et Tino. Voilà. Je me suis fait avoir comme un bleu. Donc j'ai plus de wyvern. Enfin, j'en ai deux, mais il faut que je les élève. Non. Donc ce qu'il va falloir faire, c'est aller sur Scorch et puis aller péter l'alpha. Pour avoir le lait, pour finir nos wyvernes qu'on a commencé, parce que là ils vont mourir de faim sinon. Ouais, donc c'est la galère. Donc là je vais chercher de l'obsidienne pour faire du C4 et péter la maison raide de Paco et Tino. On a pété toutes les plantix hier, là ça y est. Il y en avait une quinzaine facile. Donc c'était assez galère pour les avoir, mais on a réussi quoi. Donc j'ai perdu avec ça mon épée mythique, j'avais une crête de Spino, j'étais super content. Et puis bah je l'ai paumé quoi, j'ai pas pu récupérer mon corps avec les plantix. Donc on a réussi à les péter là, ça y est. Donc il y avait une verrue sur la carte, et ben voilà, on l'a enlevé. Hein. On l'a enlevé.
Maintenant, on va péter le reste, les petites maisons, voir s'il n'y a pas un petit coffre normalement à l'intérieur qui nous a laissé quelque chose. C'était le but des maisons raides. Une petite récompense si jamais on les pétait. Donc on va voir. S'il y a une épée mythique, ça serait génial. Et j'y crois pas. Ou tu fais un piège et tu endors une femelle ou hiverne. Elle te... Ouais, je sais. Cinq-clés. Je sais, mais bon, ça va prendre plus de temps que si on trouve l'alpha, elle nous suit, je l'emmène à la tourelle et bim bim boum, hein, terminé. On a au moins une cinquantaine de lait, je crois. Je pense que ça sera plus rapide comme ça que de faire un piège, d'aller chercher une femelle, la piéger, l'endormir, etc., etc. On va chercher plus la facilité, la rapidité, je pense. Ce sera mieux. Alors, qu'est-ce qu'il y a là? Qu'est-ce qu'on s'en fiche de ça? Bah, fais-les, écoute. Hein. Vas-y. Du polymère, ouais. Voilà, je viens juste d'arriver au volcan. Donc. Autant avancer. Je sais même pas s'il sera toujours en route le centre d'usinage à mon retour. Bon, c'est quand même aberrant qu'on ait pas de polymère, quoi. Bah ouais, mais bon, il devrait y avoir un coffre entier, hein, c'est ça. Ça, bah oui, des fois on dit, mais bon, qu'est-ce qu'il y a à faire? Bah voilà, faut pas chercher, hein. Métal, polymère. Hein. Non, mais des fois on dit, bon, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est, voilà. Donc, Ah oui, il en faut plus, hein. C'est du métal là, il faut tout péter hein, sur le... Ah ouais. Puis plus Chicago, plus Pacotino herbivore, il y a beaucoup à faire. Hein. Il y a combien le tien là de poids? Il est à... Ah, 2 tonnes 7, ah oui, enfin, ouais, c'est un bon... Ah ouais, c'est un bon oiseau là. 2 tonnes 7 et presque à 3. Je prends du métal en même temps, écoute. Ouais, pas mal, non? Mais non. Je le mets en poids ton oiseau quoi. Allez hop. Ça fait le tour. Pour l'obsidienne, c'est du ciment qu'il faut, je crois, non? Le polymère obsidienne. Ouais, bon, tu peux mettre du ciment dedans. Hop, vas-y, monte là. Voilà. De quoi? Soit... Ah ouais, quand même. C4, bon. C'est pas mal. Mais bon, je continue à prendre du métal et j'y suis. On va aller chercher en bas maintenant. Ramener tous les gros T-Rex dans le volcan alors pour la cavetech. Wow. Faut être muni de tech là, tout entièrement de tech. Purée.
demandé à sortir, Saki? C'est bon. Ok. J'ai soif. J'ai pas de flotte. Tu peux voir si tu peux faire des gourdes polymères ou s'il y en a quelque part. Ouais. Ah, j'ai faim maintenant aussi. Ah, 740 kilos, ça va. Ça va en faire du C4. Ouais, bah oui, là, il y a beaucoup de trucs à péter, Accent, je te dis quoi. Bon, bah là, ça va être bon, là, c'est terminé. Voilà, allez, hop, on y va. Non, ça, c'est le bleu, je crois. J'ai un T-Rex. Ouais, j'ai pas de flotte, par contre. Donc, c'est par là, le rouge, ouais, c'est par là, le rouge, ok. Voilà, allez, hop, on rentre à la maisonnette. Voilà. Allez, c'est parti. Oh, on a pas mal à péter là. On a fait combien, tu m'as dit, toi, 17? Bon, on a déjà 17 C4 là. Ça va être bon. Chercher de la flotte là. Une bouteille rouge, hein. Hop, on va remonter la vie. Voilà, comme ça, on fait le C4 et on va directement vers la baraque là-bas. Puis on voit ce qu'il y a. Ça va être bon, hein. Demain, on va sur Scorch, hein, demain. On va essayer de trouver des gros œufs, hein, des gros œufs de wyvernes. On va péter des wyvernes, on va mettre les griffes de côté de ce qu'on a bas et trouver l'alpha pour continuer nos wyvernes. Hein. L'élevage de nos wyvernes. Donc demain, ça va être du Scorch. Hein.
Il y aura peut-être en fin d'après-midi une petite heure de Genesis. Hein. On verra. Alors, je croyais que c'était un Spino, j'étais content, mais non, c'est pas un Spino. J'espère qu'ils vont m'en remettre. Alors, on va boire un coup. Voilà. Y'a Foufou. Ah bah oui, y'a Foufou. Ça va-t-il, Foufou? Comment on va? Bien? Salut, Tom Leak. Ouais, j'ai bu un coup, Alexandre. Ouais, ouais, tout à fait. Demain, quelle heure? C'est une bonne question, ça, Alexandre. C'est une bonne question. Ça va, tranquille, Foufou, et toi? Bien? Pas trop mauvais temps, là-bas? Parce que, vu la météo... Vous n'êtes pas gâté en ce moment. Salut Kaiser, comment vas-tu? Bah ça va, ça va. Je me suis fait péter une wyvern hier, niveau 10. Et là, on a pété les plantix de la maison raid moyenne de Pacotino hier, Kaiser. Donc là, on va finir. On fait du C4 et on va complètement détruire leur base. Il a plu aujourd'hui. Ouais, tu m'étonnes. Mais... Tu m'étonnes. Ouais. Ah ouais, mauvaise météo vers la Bretagne et la Normandie, là, bonjour. Quoi qu'il a plu à Nice aujourd'hui. Ma mère m'a dit ça tout à l'heure, elle est à Nice. Elle m'a dit ils ont eu de la flotte aussi. Nous, non, on a eu beau temps, quoi. Du soleil, tranquille. Hein. Petite sieste dehors sur le canapé, voilà. Bien. Ça va. On n'a pas à se plaindre. Pour la Wii, nickel, au moins on sera... Ouais, on sera tranquille. C'est vrai que pour moi, c'était, comme j'ai dit tout à l'heure, une verrue sur la carte. Comme ça, on va... je me suis fait avoir comme un bleu. Enfin, c'était la niveau 10, hein, donc ça va. T'es d'où, toi, Tom Lee? Je me rappelle plus. Ah ouais, un temps de cochon, bah ouais, non, ça c'est... Et nous, ça fait presque un mois qu'il a pas plu. Hein. Il va falloir que j'aille arroser, c'est pour vous dire. Hein. Mon citronnier, il a des citrons. Il faut que j'aille l'arroser, je te dis pas. Bah, ça va, j'ai deux bidons de 2000 litres là, en plus, donc c'est bon. Ah, t'avais perdu un aigle à cause de ça, Kaiser? Bah là, t'es tranquille, là, il n'y a plus de Plantix déjà, donc voilà. Je suis en train de voir pour m'acheter un PC, mais ça prendra sûrement pas mal. Oh, super Foufou. Rennes, c'est Bretagne, ça. D'accord. Bah ouais, Foufou m'a dit que comme elle est du 35, Rennes, c'est du 35 aussi. Hein. Roison, hein, c'est ça qu'on dit hein, en breton. Roison. Mon téléphone mardi sur mon lieu de stage. Ah d'accord, je crois que tu allais perdre ton téléphone à cause de la maison raide de Pacotino. J'ai déjà un problème, là. Ah ouais, ouais, et puis on te l'a pas rendu, évidemment. Évidemment. Ça, c'est embêtant, ça. Depuis, bon, je fais avec ce que je peux. Ouais, tu m'étonnes. Ça, c'est galère, ça. Ah, généralement, on te le rend pas, hein, ces appareils-là, on te le rend pas. Hein. S'il te plaît, je te passe mon temps pour... Non, Foufou, non, s'il te plaît, non. Non, franchement, tu peux être égoïste de ce côté-là, je t'en voudrais pas, Foufou. Garde ton temps. Non, franchement, je préfère un temps sec, il fait chaud, soleil bleu et tout. Soleil bleu, ciel bleu, soleil jaune. Et puis, je vais chercher deux arrosoirs demain et je vais arroser, je vais mettre 20 litres d'eau pour mon citronnier. Là. Peut-être 30 même. Non, c'est bon. Hein. Je te laisse. Hein. Bon allez, on va faire de l'obsidienne avec le ciment. Il marche toujours le centre d'usinage, non? Ah, t'es pas à côté, d'accord. Bon bah j'arrive. Mais il est bien ton aigle, hein, c'est un bon niveau là. Ah oui, 2 tonnes 8 presque. J'ai passé mes cassettes sous la neige. En Picardie. On aurait besoin. Pas nous donner ton temps papy en Picardie en... Bah non, pas trop, non. Non, moi je suis un peu égoïste là-dessus, moi. Je préfère garder un peu, là.
Faut venir là. Venez, venez en Corse, vous faire bronzer, ou voilà, vous reposer. Hein? On n'a pas besoin de masque encore chez nous là, ça va, tranquille. Ah, il a plu toute l'après-midi. Oh purée, laisse tomber. Ah, nous bien, hein, le ciel il est étoilé, je pense que demain ça va être pareil, un beau temps. Ah, pas de peau. Hein. Non, non, moi je préfère garder mon temps. Hein. Si je pouvais vous envoyer un peu de soleil, je vous en enverrais. Mais faut pas que ça enlève celui-là de Corse aussi. Non. Allez, hop, là on va mettre ça dans le centre d'usinage. Apparemment, il marche toujours. Ça, je ne sais pas. Voilà, on va mettre ça. Allez, go. Est-ce que je peux marcher là? Oui, ouais, très peu. T'es déjà venu en Corse. Alors, qu'est-ce que t'en as pensé, Tommy? En toute sincérité, Tommy. Bah, nous, si on a du soleil, il gèle. Bah, tu peux faire du ski, Kaiser, ou de la luge. Ouais, tu m'étonnes. En plus, ça doit cailler la nuit, puisque comme il n'y a pas de nuages, le ciel est étoilé, ça doit bien cailler. Hein. Pourquoi je peux pas faire de C4? Ah bah non, faut que je fasse le polymère, ça. Voilà, déjà 124 là. Allez, go. On va y péter toute la base là. En plus, quand j'ai perdu ma Wyvern hier à cause de Paco, Paco il était en direct. Hein. Il était en live, il était mort de rire. Il a dû se dire, tiens, bien fait pour ta tronche. Tu m'as pété ma base et tout, tiens. Moi j'aurais été pareil. Moi. Non, mais des coïncidences. Il faut qu'il soit là et. C'était bien? Bon, bah, tu reviendras alors, Tom Lee. Ouais, t'as vu ça, Kaiser? Mais coïncidence, pourquoi il bouge plus, lui? Incroyable, il était mort de rire, mais. Ah, le raid, ouais, je l'ai fait hier avec Patou, hier, le raid. Ouais. Alors, j'ai pas perdu que ma Wyvern, j'ai perdu aussi mon épée mythique, la crête, j'étais super content, j'ai dit, waouh, ça, c'est une partie qui commence bien, ouais, tu m'étonnes. Laisse tomber. Allez, hop, on fait que du polymère. Voilà. Normalement, ça devrait être bon, là. J'en ai plus. Ah, s'il y a encore 100 ici. 72. Ça va peut-être faire lourd. Survivant. Le poids. Ah non, c'est bon. Peut-être refaire. Ah non, je vais pas pouvoir faire une épée là. Hein? Ah non, j'ai pas sorti Gaston là. Mais non, ils vont mourir de faim hein, les Wyverns. Hein. Il faut du lait. Hein. Moi, pour moi, demain on va sur Scorch et puis on ramène le lait. Hein. Ouais, il est venu au bon moment, Paco. Tout à fait, ouais, ouais. Je suis à l'île Rousse et à Boniface. Ah ouais, t'as fait le haut et le bas quoi. Alors qu'est-ce que tu prépares? L'île Rousse ou Boniface? On va voir si t'es comme moi. Moi j'ai une préférence. Alors Boniface c'est venteux. C'est comme le Cap. Hein. C'est venteux. Et l'île Rousse, il y a du vent tous les 3 jours. C'est bizarre mais c'est comme ça. Un petit vent. Mais le laquelle? C'est-à-dire laquelle? Aïe aïe aïe, avec le nouveau DLC, j'ai tellement envie d'y jouer là. Ah bah ouais, foufou. Bah vivement que t'aies ton PC, hein, franchement, hein, ça serait super super sympa. Hein. De préférence entre les deux. De quoi hein? Tu préfères Boniface? D'accord, ok. Moi je préfère l'île Rousse. Bon, Boniface, c'est bien parce que tu peux aller en Sardaigne. T'as une heure de bateau. Donc c'est vrai, tu peux aller en Sardaigne rapidement. Boniface, c'est plus friqué. Hein, y a plus de sous là-bas, hein, des gros bateaux, des machins, ouais. Il est bien plus... il est bien sympa. En plus, tu fais envie foufou, Kaiser. Tu m'étonnes.
Attends, faut que je mette le machin là-bas, moi, voilà. Ah, c'est clair, foufou, hein. Dès que tu as ton PC, t'as Arc, tu viens quand tu veux. Hein. Moi, je te fais confiance à 200%. Je pense que Patou, Kaiser et Zeus, ils seraient d'accord, hein, je pense. Hein. Ouais, non, toi, foufou, on te connaît. On a vu ce que tu as fait quand on s'est fait lyncher. Il n'y a pas de problème, tu es la bienvenue. Hein. Les yeux fermés, hein, y a pas de problème. Hein? Il est là? Ouais, j'aime bien remuer dans la plaie le couteau. Ouais, d'accord, tiens. Ouais, il ne choisira pas Kaiser. Ah, peut-être qu'un jour tu twitcheras, foufou. Ça serait cool. On viendrait tous te voir. On t'encouragerait. Ça serait cool, toi, foufou du 35 qui twitch. Mais. Bon, ça c'est bon, ça c'est bon. Donc, je continue. Ah, ce lit là, il est mal placé parce qu'il nous bloque à chaque fois, non? Pas toi? Bah oui, là où il y a le. Ouais, à chaque fois il me bloque. Bah, faut en mettre d'autres, ouais. Ah ouais, c'est cagant. Je sortirai mes blagues à deux balles. Bah bien sûr, ça serait super sympa. Bah, raconte-nous une petite blague, foufou, à deux balles. Allez. Hein? Ah, moi, c'est à 100 balles. Elle, c'est à 2 balles. Ah, oh, purée, faut remettre de l'essence. Allez, une petite blague, foufou. Organofo. Ouais, vive les blagues à 2 balles. Pompon. Tu l'as retenu celle-là. Tu veux une blague à 2 balles? Ouais. Pompon. Voilà. Allez, cool celle-là. Nathan, salut Nathan. Je viens d'acheter Arc sur PC. J'ai bientôt fini. Waouh, super. Nickel. Tu vas commencer par quoi, Nathan? Qu'est-ce qu'un mouton sans pattes? Alors, attends, un mouton sans pattes. Je sais pas, foufou. Franchement, je sais pas. Qu'est-ce qu'un mouton sans pattes? Une pelette de laine? Ouais, ça peut être une pelette de laine. Un peu de PVP x 1000. Ah bon? X 1000 directement, Nathan. Wow. Alors, c'est quoi un mouton sans pattes? Un nuage. Oh, foufou. Elle vaut même pas 2 balles, celle-là. Oh, nuage. T'es poétique ce soir, foufou. Un nuage, ouais. On continue le polymère et on va continuer le... Ah, j'en fais qu'un. Pourquoi j'en fais qu'un? Il manque quoi? L'électronique, non? Qu'est-ce qui manque? Du cristal, du cristal. Ouais. On va voir si tu rivalises avec Google. Ah ouais, non, là, elle est basse, là, foufou, elle est basse. C'est marée basse. Il y a des marées en Bretagne, hein, je crois. Hein. Là, c'est marée basse, là, tu vois, c'est... Sur Méditerranée, on n'a pas de marée, nous, hein, donc... Ok, Google, raconte-nous une blague. Vous avez entendu? Waouh! Waouh! Hein? T'as pas entendu? Bon. Que dit une antenne de télévision à quoi? Un paratonnerre. Je sais pas. Il dit: ouais, tu y crois, toi, au coup de foudre? Ok, Google. Mets le son sur 8. Merci. Ok, Google. Raconte-nous une blague. Attention, vous allez vous tordre de rire. Donald Duck et Daffy Duck se bagarrent. Qu'est-ce que ça fait? Un conflit de canards. Il est interdit de rire.
prends le truc de noce, des... Oh purée, des... Oh. Non, faut pas être dépressif, hein. Si vous êtes dépressif, faut pas demander des blagues à Google, hein. Parce que là, vous passez à l'acte, hein. Il faut pas, hein. Ah bon, ça reste en sacoche. Même si tu le mets en machin, tu le configures en prendre les choses. Moi, je pense, hein, elle est où la blague en fait? Bah, le coup de foudre, le paratonnerre, une antenne de télévision, non? C'est bon. Bon. Tu sais ce que ça fait quand tu mélanges de la crème avec de la glace? Une crème glacée, non? Je verrai que ça. Je connais pas. Hein. Je te réponds comme ça. Hein. Un ice cream. Un ice cream. Ouais, tout bon. Ah, ok. Super. Ah, bah, tu vois, je connaissais pas. Hein. J'ai fait travailler mes neurones, tu vois. Hein. Ils sont pas encore pourris, mes neurones. Hein. Ils sont encore bons. Bon, attends, j'arrête là, ça fait 40 minutes. Là. Donc, merci de m'avoir suivi. Rendez-vous au prochain épisode. Ciao, bye bye.